Bon, salut les picheurs, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous fais une petite parenthèse juste pour vous expliquer que la vidéo sera pas d'une qualité génialissime, tu vois. C'est un petit peu comme celle que je vais faire encore après. C'est que bon, et des fois je pars à la pêche, c'est pas tout le temps de l'optique de faire une vidéo, tu vois. Donc du coup, des fois ça démarre un peu à l'arrache, tu vois. Donc parce que je fais pas d'intro, je m'installe, je profite avec les potes, tu vois, ou tout seul même des fois. Et du coup, je fais pas d'intro ni rien. Et puis des fois ça part en pleine nuit, donc bon bah voilà, ça fait un peu tac, poisson qui arrive direct. Tu dis putain, Manu, mais il fait vite lui, il aime pas présenter ce qu'il fait ni quoi que ce soit. Mais bon, voilà, c'est juste pour vous dire ça. Puis des fois, la qualité du son, voilà, je m'en excuse. Parce que, pareil, je n'ai pas préparé, donc je sors pas mon micro. Je parle juste au... Donc, juste au... avec le micro du téléphone, je veux dire. Et du coup, bon, bah, donc, je suis désolé. Toujours, des fois, la qualité de son n'est pas top. Je vais essayer de sortir vraiment mon micro à chaque fois maintenant. C'est assez rapide, en plus, ce micro-là. C'est vraiment de la fainéantise, il faut dire ce qu'il est un petit peu, tu vois. Donc, je vous laisse donc avec la vidéo hein, qu'on a fait là avec Baptiste, où j'ai pris deux poissons. Je vais vous présenter tout ça. Et encore désolé pour la qualité de son pour certains moments. Vous allez voir la différence quand il y a micro et pas micro. Ça s'entend cache. Et des fois aussi pour la qualité d'image. C'est vrai qu'il va falloir que je rachète encore une lumière supplémentaire. Je vois que c'est pas suffisant pour les poissons. Je le vois dans cette vidéo-là et je le vois aussi dans la vidéo d'après où il manque de la lumière. Plus de lumière, il faut des phares, mon dieu. Je vais acheter un putain de phare, ça va chier, il va faire en plein jour, même la nuit. Allez, bonne vidéo à tous les picheurs, à plus. Les picheurs, il est 3h30 du matin. On en est au deuxième. Au deuxième poisson, mais quoi. Là. On n'a pas eu de moustique. Avec on, ça marche mieux. Donc, le premier poisson, bah, il est en sac. Je vous présenterai demain matin. De faire une dizaine de kills, puis là ça doit faire à peu près pareil, peut-être un kilo de plus. Enfin bon, les poissons autour de 10 kills, ça fait super plaisir. Voilà, et moi ça, bidou bien plein. C'est super plaisir. 1h45 premier départ et puis là bah 3h40 ouais 3h40 à peu près deuxième départ tout sur la bouillette Léon et ce coup-ci banane ananas acidène butyrique des sessions pack quoi. C'est pas mal hein. On parlera de l'amorçage demain. Bon, faut que je remette le bazar à l'eau et je vais me coucher. Elle est tranquillou celle-ci. Elle va aller se coller sous l'arbre. Elle est le petit poisson. Va appeler tes copines miroirs. Je sais que tu as des copines miroirs. Oh putain, ça saute hein, les picheurs. Hein. Putain, ça saute. Le collègue fait de dos. Est-ce qu'il va savoir demain matin que tu fais des poissons? Je suis pas sûr. Et Baptiste, il faut se réveiller quand ça sonne. Hein. Ah, j'entends. Bon, les picheurs, ce coup-ci, hein, comme je vous ai dit, voilà. Encore les bouillettes session pack du Léon. Le cadeau. Et ce coup-ci, c'est ananas, banane, acidène butyrique. Donc ça m'a fait deux poissons cette nuit. J'ai eu aussi un troisième départ. Sur la. En fait le tout premier départ, la canne de droite, je l'entendais dérouler, je croyais que le poisson était dedans. Mais en fait non, ils étaient complètement à l'opposé les fils.
Donc oui, c'était bien départ, mais bon, ça s'est pas piqué correctement parce que ça s'est arrêté. Et puis une tirée encore sur 6h du matin, là, ça fait un bon bip bip bip, mais ça n'a pas donné suite. Donc voilà, donc plutôt content pour une fois. Hein, je suis arrivé ce coup-ci, j'ai foutu facilement 2,5 kg, 3 kg de bouillettes, hein, dans le chenal et la cassure. Le chenal en a eu du mal à l'atteindre ce coup-ci. Il était loin, le salaud. Et du coup, voilà, à chaque touche, j'ai rebalancé 1 kg. Donc quoi, ouais, ces bouillettes sont quand même assez instantanées, je dirais même, tu vois, sont acceptées tout de suite, quoi. Voilà, des bonnes billettes, pas trop chères. Qu'est-ce qu'il fait celui-là là-bas, là, il relance. Hein. Regarde-le, celui-là. Je relance à 9h quand tout est fini. Non, on a encore jusqu'à 14h à peine, tu vois. On a encore le coup du midi, on y croit. On peut encore faire un petit poisson sur le coup du midi. Là, je vais relancer aussi. On va balancer quelques billes et on verra ça. Allez, je vais vous présenter le deuxième poisson de cette nuit. Ok, les pêcheurs. Le deuxième. Oh, tu vas faire gaffe. Ah, les genoux là. Tu es vieux là. Très vieux là, ça y est. Donc, le premier poisson de la nuit en fait. Hein, qui est parti à 2h du mat. Donc, pareil, un poisson qui doit faire ouais, entre 10 et 12. On s'amuse pas à les peser tout le temps. Par contre, il est très énervé ici là. Voilà, super fiche, fait super plaise. Donc deux vrais départs, hein. Là il est 10h je crois, quelque chose comme ça. Assistant à l'heure. Assistant à l'heure s'il te plaît. 25, de 10h. Voilà, 10h25, on a tout retendu nickel, on fait le coup de midi puis après on s'en va. Mais bon, fait plaisir, bon ça me fait chier, Bati il a rien fait. Il a bien dormi au moins. J'ai le chkoumoun. Il a bien j'ai fait dodo. Le bon gris-gris. Ouais. Et voilà. L'autre, j'ai un doute. C'était peut-être une femelle. Celle-ci, c'est un mâle, ça c'est sûr. Mais bon, bien content quand même. Deux touches. Donc les bouillettes Léon, ananas, banane, acide butyrique là. Ouais, oui. Vous pouvez voir, c'est des bouillettes assez instantanées quand même. Mais ça vérifie de plus en plus ce que je pensais. C'est vraiment... À cette période-là, il faut faire des pêches d'interception. Les poissons, ils passent dans le chenal ou un peu la cassure, toi. Il faut arriver, il faut baigner direct 2-3 kilos, et même plus. Et puis, tu jettes dans le chenal, un peu sur ta cassure aussi. Et c'est comme ça qu'on a, à chaque fois, on a fait des poissons. On a eu plein de gars. Je leur montre un dernier coup. Et puis, je leur remets. Bon, tu veux montrer l'autre côté? Cocotte, voilà, c'est ça que tu voulais. Ah, regarde, tu vois, je voulais montrer sa face B. Un super beau fiche. Ouais, comme je disais, ça vérifie la façon de pêcher. Il y a plein de gars qui passent qui nous disent ouais, c'est très dur, 5 jours de pêche, rien. Kevin, pareil, des gars qui viennent, on n'a rien fait. Kevin, il cartonne plus loin. Mais en pêchant comme ça. Après, voilà, c'est mon ressenti. Ça a l'air de bien se passer à chaque fois. Peu importe le poste, ça fait déjà 3 postes différents que je pêche. 4. Et à chaque fois, ça a donné en faisant comme ça. Donc voilà, allez, on remet la bête à l'eau. Bon, allez, on remet la bête. Vous faites des super combats ces fiches. Et voilà, allez, on peut en espérer une dans les dernières heures.